Alléluia, Amen. Alléluia, alléluia, amen.
Seigneur par ses paroles. Est-ce que quelqu'un peut l'élever par ses paroles? Hosanna, Hosanna, à toi le Seigneur des Seigneurs. Hosanna, à toi le Créateur des cieux et de la terre. Hosanna, à toi le Maître de l'univers. Hosanna, à toi pour qui nous sommes ici. Hosanna, au Seigneur des Seigneurs. Hosanna, au Roi des Rois. Oh, magnificence à toi. Qui est digne de louange si ce n'est toi? Qui est digne d'être magnifié si ce n'est toi? Tu es redoutable dans l'assemblée des saints. Honneur et gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Magnificence à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus, le Seigneur. Si le vent se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Oh, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de Jésus.
Lord Jesus, nous te bénissons parce que tu es vivant. We bless you because you are alive. Et tu es là au milieu de nous par and ton we are esprit. Here in our midst by your spirit. Oh Saint-Esprit, merci pour oh, ta Holy présence spirit, au milieu for your de presence nous. At our midst. Et merci pour la manifestation and de ta présence au Seigneur. Of your presence in this place. Merci d'accompagner ta présence par des thank signes. You to follow your presence by signs. Des signes et des prodiges, Esprit de Dieu. Sign of wonder and signs of God. Merci de nous faire du bien. Thank you to make us good. Du bien encore, Seigneur. Good again. Du bien encore, Seigneur. Good again, Lord. Nous en avons besoin, we need Seigneur. It, Lord. Merci d'accomplir, oh thank Dieu, you to accomplish, ta Lord. Parole, Seigneur, your word, ce Lord, matin. This morning. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Saint-Esprit thank you, de Dieu. Of God. Nous te faisons confiance. We trust you. Et nous te donnons toute la and gloire. We give you all the glory, parce que toi seul la mérites. Because only you deserve au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître, our Savior and Master, nous avons ainsi prié. We have prayed. Et nous disons amen. And we say amen. Amen, amen, amen. 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 Bien-aimé, est-ce qu'on peut se saluer? Beloved, can you say hi to your neighbor? Une salutation chaleureuse. Really nice. Il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous à qui on n'a pas souri depuis une semaine. Please, just smile to your neighbor. Saluons-nous. Just say hi to your neighbor. Dans la maison de Dieu, il y a la joie. In the house of the Lord, there is joy. Il y a la paix, il y a le bonheur. There is peace and happiness. Il y a tout ce dont nous avons besoin. There is everything that we need. Hallelujah. Amen. Gloire au Seigneur. Glory be to the Lord. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Without je vous prie de vous relever encore une fois de plus, s'il vous plaît, please pour stand, honorer stand, la parole stand to honor the word of God. Please stand on your feet. Nous allons lire dans le livre de Marc. We may read in the book of Mark. Évangile de Marc. Book of Mark. Au chapitre 4. Chapter 4. Nous allons commencer du verset 35 au verset 41. We will start from verse 35 to 41. Marc 4. Mark 4. Mark 4, 35 à 41. Mark 4, 35 to 41. Vous y êtes? Are we there? Ok, nous allons lire Marc chapitre 4. Nous commençons du verset 35 au verset 41. Nous lisons. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Amen. Nous lisons un deuxième passage dans Matthieu. We read a second chapter in Matthew. Matthieu chapitre 14. Matthew 14. 14, nous commençons du verset 25 à 32. Matthew 14, start to 25 to 32. Matthieu 14, 25 à 32. Matthew 14, 25 to 32. Nous lisons. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main,
le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Dans notre premier texte bien-aimé, in our first qui est notre beloved, qui est notre texte principal, who is our principal text? On nous parle de l'histoire de Jésus-Christ et de ses disciples. We're spoken about the story of Jesus Christ and his disciples. Il se retrouvait au milieu du lac. He was in the middle of the sea. Et ils étaient dans une barque. They was in the boat. Lorsqu'aussitôt un vent violent souffla. Suddenly a great storm started. Et les bouscula. And then touched them. Le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est passons à l'autre bord. Amen. Our title is turn to other side. Jésus-Christ avec ses disciples. Jesus Christ with his disciples. Et du coup, la tempête a soufflé. And suddenly the storm start. Je crois que nous suivons tous par le média. I think that we always see about news. Les ravages. Things dont les gens sont victimes de plus en plus. That people are always victim. Surtout de nos jours. According to these days, qui sont causés par la tempête. What's been happened through, je crois que chacun de nous connaît la tempête, n'est-ce pas? I think that each one here know the storm, right? La tempête, c'est un vent violent. Storm is a violent wind. C'est quelque chose qu'on ne peut contrôler. It's a something that no one can control. C'est quelque chose d'insaisissable. It's a something elusive. Aujourd'hui, à cause de la tempête, just because of storm, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur maison. There is so many people who lose their houses. Parce que lorsque ça frappe, because when the storm starts, il y a même des pertes d'hommes. Even people can pass away. C'est quelque chose de fort. It's something strong. Et ici, and here, Jésus-Christ avec ses disciples, Jesus Christ with the disciples, ils ont eu à faire face à quelque chose de ce genre. They have to face something like that. Amen. Amen. Bien-aimés, vous savez, beloved, you know, il nous arrive aussi dans notre vie de tous les jours. Sometimes in our life of every day, alors que nous marchons avec le Seigneur, while we are walking with the Lord, alors que nous l'avons déjà reçu comme notre Seigneur et while Sauveur, we receive it already as a Savior and Lord, nous marchons dans la communion avec le Seigneur. We are still walking in communion with our Lord, mais il nous arrive, but sometimes, d'être parfois victime des tempêtes. We are victim of storm. Amen. Amen. Ici par la tempête, here by storm, nous voyons les situations difficiles. We see difficult situations. Les situations que nous ne savons contrôler. Situations that we cannot control. Des choses qui arrivent comme ça subitement. Things that happen suddenly. Quelque chose d'inattendu. Something that you can't prepare it. Quelque chose qui te bouscule. Something that come and just change your way. Ça peut peut-être ravager ta vie. This can break your life. Ou ta famille. Maybe your family. La tempête. Storm. Amen. Amen. Même un enfant de Dieu, even a child of God, il peut faire face à la tempête. He can face storm. Mais ici nous allons voir bien aimé. But here we will see my beloved. Lorsque nous arrivons à faire face à la tempête, when we face storm, comment devons-nous réagir? How can we react? Devons-nous avoir peur? Did we got fear? Devons-nous fuir? Did we run away? Amen. Amen. Ici nous allons voir bien aimé. Here we'll see my beloved. Jésus-Christ avait reproché aux disciples. Jesus Christ rebuked the disciples. Parce que eux, tout ce qu'ils ont trouvé à faire, because the thing that they saw that they will do, c'était de trembler. It's just to tremble. Ils ont paniqué. They panic. Ils ont eu peur. And then they got fear. Amen. Amen. Est-ce que c'est une bonne réaction pour un enfant de Dieu? Is it a good reaction for the children of God? Non, je ne pense pas. I don't think so. Les disciples n'avaient pas raison d'avoir peur. Disciples don't have any reason to got fear. Et cela pourquoi? Why? Pour deux raisons. Just for two reasons. Parce que la première raison, the first reason, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, the Lord Jesus Christ, il était présent dans leur barque. Together with them. Il était là dans leur barque. He was there in the boat. C'est lui-même qui a créé le vent. It's him that created wind. Jésus-Christ est Dieu. Jesus Christ, il est le créateur de tout. He's the creator of everything. Comme on a chanté aujourd'hui, que Dieu bénisse la chorale. As we sing here that the Lord should bless our devant lui, les montagnes tremblent. Before him, mountains tremble. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le vent devant le roi des rois? So what the wind can make before the king of the kings? La Bible dit que devant Dieu, the Bible says before God, les montagnes et les collines, mountain and hill, sautent comme des béliers. Just jump like a lamb.
Mais malgré la présence de Jésus-Christ dans la barque, despite the presence of Jesus Christ in the les boat, disciples ont eu peur. Disciples got fear. Ils n'avaient pas raison, bien-aimés. They had reason to get fear. Parce que Jésus-Christ était là. Because Jesus Christ was there. À cause de la présence de Jésus-Christ dans just cette because barque, of the presence of Jesus Christ in that boat, c'était une bonne raison, bien-aimés. It was a good reason, my beloved. Pour les disciples, for disciples, de ne pas avoir peur. They got fear. Bien-aimé, il en est ainsi aussi pour nous. Beloved is like that for us. Je ne sais pas, bien-aimé. I don't know, my beloved. Peut-être au milieu de nous. Maybe at our midst. Il y a quelqu'un qui est en train de subir. There is someone who are here getting problems. La pression de la tempête. Pression of storm. Peut-être que tu sens. Maybe you feel. Qu'il y a un vent violent. That there is a violent storm. Qui est en train de souffler dans ta vie. That blow in your life. Quelque chose que tu n'arrives pas à saisir. Something that you cannot seize it. Quelque chose que tu n'arrives pas à contrôler. Something that you can't control. Bien-aimé, beloved, est-ce que c'est une raison d'avoir peur? Is it a reason to God fear? Non, enfant de Dieu. No, children of God. Jésus-Christ est dans ta vie. Jesus Christ is in your life. À cause de sa présence dans ta vie, just bien-aimé. Because of his presence in your life, tu n'as pas raison d'avoir peur. You don't get any reason to God fear. Tu n'as pas raison d'avoir you peur. You don't get any reason to God fear. Parce que ce problème-là, bien-aimé. Because that problem, my beloved. Le problème auquel tu fais face. The problem that you face now. Devant Jésus-Christ qui est en toi. Because Jesus Christ who is in you. Il fléchit. Les genoux. Those problems will kneel down. La Bible dit que devant lui, the Bible said before him, tout genou fléchit, all knees shall bow, et toute langue confesse, all tongue confess, qui est Seigneur, that is the à Lord, la gloire du Père, the glory of Father. Enfant de Dieu, children of God, peu importe la tempête, how matter is the storm, peu importe les vents violents, how matter is the violent wind, qui souffle dans ta maison, that blowing in your house, qui souffle dans ta famille, that blowing in your family. Peut-être dans tes études, bien maybe aimé. In your study, my beloved, ce n'est pas une raison. I told you it's not a reason. D'avoir peur. God fear. Il est là avec he toi. Is there with you. Il est là avec he toi. Is there with you. Comme on venait de chanter. As we sing it now. Même dans le désert. Even in the wilderness. Il a toujours été là. He was always there. Son nom est l'ami fidèle. His name is the faithful friend. Alléluia. Amen. Il est fidèle plus qu'un ami, bien-aimé. Faithful more than lorsque a friend, tout my beloved, le monde t'aura abandonné, when everyone will let you, sur lui tu pourras toujours compter. Just on him you can put your trust. Alléluia. Amen. Parce qu'il est présent dans ta because barque. He's present in your boat. Ici la barque peut représenter notre vie. Here, boat can represent your life. C'est un certain domaine de notre vie. Or maybe a certain domain of your life. Parce que le Seigneur est dans ta barque, bien-aimé. Because the Lord. C'est une bonne raison. This is a good reason. Pour toi de ne pas avoir peur. For you do not got fear. Pour toi de ne pas avoir peur. For you do not got fear. Hallelujah. Amen. Il est là avec he toi. Is there with you. Il est présent avec he is toi. Present with il you. A promis ne point t'abandonner. He promised that he will never not abandon ne point you. Te délaisser. He will say he will never not forsake même you. Même si en ce moment bien-aimé. Even in this moment my beloved. Tu sens que tout le monde t'a abandonné. You feel that everyone abandoned you. Même les gens qui étaient proches de toi. Even people who was together with you. Les gens qui te promettaient je ne peux jamais t'abandonner. People who always promise you that I will never not abandon you. Ah, mais à cause de ce problème. Just because of that problem. À cause de la tempête qui a frappé dans ta vie. Because of the storm who came in your life. Peut-être ces gens t'ont abandonné. Maybe those people abandon you. Bien-aimé, ne pense pas que le Seigneur va faire de même. Beloved, don't think that the Lord will do the same. Non, 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 lui il est fidèle. No, he is faithful. Il a promis ne point t'abandonner. He promised that he will never not abandon. Il a promis ne point te délaisser. He promised that he will never not forsake sur you. Sur lui tu peux toujours compter. On him you can put your confidence. Amen. Amen. Et la deuxième raison. And the second reason. Pour laquelle? Why? Les enfants d'Israël, pardon, les disciples n'avaient pas, ne pouvaient pas craindre. Disciples could not God fear. Jésus Christ. Jesus Christ. Lorsqu'ils ont embarqué. When they got into the boat. Il avait dit une parole. He said one word. Il a dit allons. He said, we shall pass. Passons à l'autre bord. We shall pass to onto other side. Passons à l'autre bord. Turn to other side. Bien-aimé, cette parole était suffisante. Beloved, that word was sufficient. Pour que les disciples n'aient pas peur. For the disciples to not got fear. Il avait dit sa parole. He had said his word. Il avait donné sa parole he d'honneur. He gave his word of honor. Bien-aimé, lorsque le vent. Beloved, when the wind la tempête or storm est en train de souffler dans ta vie, blowing in your life, pose-toi la question, bien-aimé. Just give yourself the question. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? What the Lord have said? Qu'est-ce que Papa a dit? What Father have said? À propos de ce problème. According to this problem. Parce que because il y a dans ce livre, bien-aimé, there is in this book, my beloved,
une parole a word pour chaque circonstance de notre vie. Each circumstances on your life. Il y a une parole bien-aimée. There is a word, pour one chaque word situation for de notre each vie. Situation in our life. Amen. Amen. Cherche dans la parole de Dieu. Just seek at the word of God. Cherche dans les testaments bien-aimés. Just seek in the testament, que notre my beloved, Père nous a laissé. That our father left to us. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de ta what situation? He said about your situation. Ici, Jésus avait dit aux disciples. Here, the disciples said to Jesus Christ. Passons à l'autre bord. We shall turn to other side. Passons à l'autre bord. We shall turn to parce other side. Parce que la parole était sortie de sa bouche. Because the word came out of his mouth. Bien-aimé, la tempête. Beloved, the storm. Elle pouvait frapper n'importe comment. She can just beat anyhow. Mais jamais renverser cette barque. But never not turn. Parce que sa parole est puissante. Because his word is so mighty. Alléluia. Amen. La Bible dit tout passera. The Bible says everything shall pass. Mais la parole ne passera jamais. But the word of God will never not pass. Et notre Dieu, il est fidèle. Our God is faithful. Il est fidèle à sa parole. He is faithful to his word. C'est que sa bouche dit. What his mouth sa main said, se précipite de la conduite. And then his hand just run quickly. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit par rapport à ta situation, bien-aimé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de trembler en ce moment? There is someone here who got in trembling now. Peut-être que la nuit tu n'as pas sommeil, bien maybe aimé. In night you not got you cannot sleeping. Peut-être que tu passes le temps à compter les plafonds. Maybe you just pass your time to look at the ceiling. Tu te dis vraiment comment vais-je faire pour sortir de cette situation? And you said to yourself, how can I go out of this situation? Bien aimé, arrête de compter les plafonds. Beloved, stop to look at your ceiling. Ouvre la parole de Dieu. Just open the word of God. Cherche qu'est-ce que le Seigneur a dit à propos de ta situation. Seek of what God said about your situation. Qu'est-ce que papa a dit? What father have said? Il a dit passons à l'autre bord. He said we should turn to other side. Passons à l'autre bord. He said we should turn to other side. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit à propos de ta and situation? And what the Lord said about your situation. Est-ce la maladie bien-aimée? A sickness, my beloved. Peut-être la maladie bien-aimée. Maybe sickness. Tu as vu beaucoup de médecins. Maybe you saw a lot of la solution. Doctors, and then you couldn't get par any solution. Par les meurtrissures de Jésus-Christ. Just by the wound of Jesus nous Christ. Nous avons été guéris. We got our healing. Nous avons été guéris. We got our healing. C'est peut-être tes finances bien-aimées. Maybe it's your finances, ils sont frappés par la tempête. Who got problem with storm? La Bible dit. The Bible says. De riche qu'il était. Rich as he is, il s'est fait pauvre, and he made himself poor pour nous enrichir, for us to become rich. Alléluia. Amen. Et que sais-je encore bien-aimé? What can I say dans again? Chaque situation de in notre each vie, situation in our life, il y a une parole. There is a word. Voilà pourquoi. That's why. Nous n'avons pas raison. We not got any reason de craindre. To God fear. Nous n'avons pas raison de trembler, bien-aimé. We not got reason to tremble. Vous savez, bien-aimé. You know, my beloved. La peur. Fear. C'est quelque chose qui nous enfonce it's davantage. It's something that make us fall. Nous l'avons lu. We read it. Pierre. Peter. Lui qui était vraiment en train de marcher déjà sur l'eau. Him who was walking on the sea. Parce qu'il a regardé le Seigneur. Just because he looked at the Lord. Cela a activé sa foi. This activated his faith. Il a commencé à marcher. And then he started walking. Mais dès qu'il a eu peur. But directly he got il a fear, commencé à s'enfoncer. He started to sink down. Bien aimé, nous devons faire un bon choix. Beloved, you shall make a good choice. Si tu choisis la voie de la peur. If you choose the voice tu of vas fear, t'enfoncer davantage, bien aimé. Tu te détruis davantage. You will destroy yourself. Tu vas t'enfoncer, bien aimé. You will sink down deeply. C'est comme ça que les gens attrapent la dépression. That's why people have a lot of depression. Tu vois comme ça un enfant de Dieu devient déprimé. Sometimes you see a child of God just fall down. Alors qu'il a tous les atouts. As he get all quality. Pour sortir de son problème. For him to get out of his problem. Alors qu'il a tout en lui. As he get all in him. Il lui suffit d'entrer en lui-même. He have to just get into et him. Et de puiser. And to just pour sortir de sa situation. Bien-aimé, beloved, nous n'avons pas raison d'avoir peur. We don't get any reason to go nous n'avons pas raison d'avoir peur. We don't get any reason to go la tempête peut être là, bien-aimé. Because storm can be there. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, but we, as the children of God, à cause de sa présence dans nos just vies, because of his presence in our life, et à cause de sa parole, just because of his word, nous n'avons pas we don't need besoin. Need, nous n'avons pas raison we not get any reason d'avoir peur. To God fear. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimé, you know, my beloved, qu'est-ce qui arrive souvent? What's happened sometimes? Qu'est-ce qui nous fait trembler souvent lorsqu'il y a un problème? What make us tremble when there is a problem? C'est parce que devant une difficulté, just because before a situation, nous nous détournons de Dieu. We just left God aside. Et nous nous focalisons sur notre and problème. We just focus on our problem. Parfois même, sometimes, c'est le temps que le
les enfants de Dieu choisissent. It's the time that the children of God have chosen. Pour fuir l'église. To run away from the church. Vous voyez comme ça un enfant de Dieu, il fuit l'église. He just is suddenly a child of God run away from the church. Parce qu'il a des problèmes. Because he have a problem. Il fuit les serviteurs de Dieu. He just run the servant of God. Bien aimé, ça c'est un suicide. Beloved, this is a suicide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as une difficulté. You have a difficulty. Au lieu de regarder au maître, for you to look at the master, tu fixes ton regard. You just fix your eyes sur ton problème. On your problem. Bien aimé, tu vas t'enfoncer. Love, I tell you, will sit down. Parce que Pierre, because Peter, lorsqu'il a regardé au Seigneur, when he looked at the master, il a eu la force. He got strength de marcher sur l'eau. To walk on the sea. Mais dès qu'il a regardé la profondeur but de l'eau, he didn't look at the deepness of the sea, il a vu le vent, la force du vent souffler. And then he saw the power of wind. Toute blow. La foi qui était en lui, all the faith who was in est partie. Left him. Il a commencé à trembler. And then he started trembling. Et il a commencé à s'enfoncer. And then he started to sink down. Bien aimé, beloved, détournons-nous de nos problèmes. We shall leave our problem aside. Détournons-nous de nos problèmes. We shall put our problem aside. Aussi grands qu'ils peuvent être. Even as big as he is. Parce que le Seigneur est avec nous. Because the Lord is together with us. Tournons nos regards vers lui. We shall turn our face to him. La Bible dit. The Bible says. Lorsqu'on tourne vers lui le regard. When we put our face on him. On est rayonnant de joie. We are get a lot of joy. Et le visage ne se couvre point de honte. And our face shall not be ashamed. Bien-aimé, beloved, vaut mieux se tourner vers le Seigneur. Better to focus to the Lord. Même lorsque votre monde s'écroule, even when your world are falling, vous sentez que la tempête est en train de frapper. You feel that the storm is making bad things. Vous allez me dire, c'est parce que vous ne savez pas à quel point. You will say to me, it's because you don't à quel point c'est dur. How it's difficult for oui, bien-aimé, c'est là même la bonne it's raison. True. This is the real reason, my beloved. Parce que les choses difficiles, because difficult things, c'est notre Dieu qui les traite. It's our God that prepares it. Ce qui échappe à notre contrôle, bien-aimé, escape from our control, c'est notre Dieu qui s'en occupe. It's only our God that takes care of it. Bien-aimé, au lieu de nous focaliser so, sur beloved, notre problème, for us to focus in our problem, tournons nos regards vers we lui. Should turn our face to him. Tournons le regard we vers Jésus. Turn our face unto Jesus Christ. Amen. Amen. Lorsque nous aurons tourné le regard vers lui, when we shall turn our face to him, nous allons voir combien il est grand. We may see how big he is. Et en contemplant sa grandeur, and just by contemplating cela va susciter la foi en nous, bien-aimés. This will bring faith in us. Et nous donner la force de sortir de and notre this will give situation. Us the power to move out of our situation. Bien-aimés, comment on peut comprendre? Beloved, can we understand? Le maître était là dans la barque avec les disciples. That the master was together with disciples in the boat. C'est lui devant qui? The one before who? La mer et les vents sont soumis. Sea and wind has submit. Il était là dans la barque avec les disciples. He was there in the boat with disciples. Et au lieu de regarder au maître, and for them to look at the master, il regardait le vent. They was look at the wind. Ils regardaient le vent. They will look at the wind. Bien aimé, si tu regardes à la situation, à la tempête, beloved, if you look at your situation, the storm, tu n'auras pas d'autre choix. I tell you, you will not get any choice. Que de t'effrayer. Just to God fear. C'est comme ça que les disciples ont poussé un cri. It's like that, they scream out. Un cri de peur. They scream of fear. Un cri de peur. They cried out. Bien aimé, beloved, aussi grand que peut être ta situation, great is your situation. Détourne-toi d'elle. Just turn yourself from it. Et tourne ton regard vers le Seigneur. And face the Lord. Par la prière. By prayer. Par la méditation de la meditation parole. Of the word of God. En recherchant la volonté de Dieu pour ce que tu es en train de faire. By seeking the will of God for what you are doing. En recherchant les plans de Dieu, la parole de Dieu. By seeking the word of God. Alléluia. Amen. Regarde à Jésus. Just look at Jesus Christ. Regarde à Jésus Christ, bien-aimé. Focus on Jesus Christ, my beloved. Devant n'importe quelle situation before de ta every vie. Situation in your life. Regarde à Jésus. Just look at Jesus Christ. Vous savez, à un moment, bien-aimé, you know, in a certain moment, je crois beloved, que nous connaissons tous l'histoire. I think that all of us know the story. Goliath, il était venu défier Israël. He came to challenge Israel, le peuple de Dieu. The people of God. Et ils étaient tous là. Beaucoup de gens étaient là. And then there was there all. So many people was there. Des soldats entraînés. There was soldiers there. Même lui-même le roi. Even him, the king, was there. Il était là. He was there. En train de trembler devant la menace de Goliath. Tremble before Goliath. Pourquoi? Why? Parce que ils ne voyaient que Goliath. Because there was all. Look at Goliath. Ils étaient en train de se focaliser all of them were seeing Goliath sur la taille de
de Goliath. They were focalized to the head of sur Goliath. Sur la grandeur de Goliath. To the highness of Goliath. Et cela les poussait à trembler. Just push them to God fear. Bien-aimé, beloved, si tu continues if you continue à considérer to consider la grandeur de ton problème, the bigness of your problem, la profondeur de ton problème, the bigness of your problem, la gravité de ton problème, the gravity of your problem, bien-aimé, tu vas trembler. Beloved, I told you, you will tu vas trembler. You will fall. Mais David, bien-aimé, but David, my David beloved, il est venu. He came. Lui, au lieu de regarder Goliath, him, instead to look at Goliath, oui, bien sûr, il l'a vu. Yes, he saw him. Mais il a refusé de se focaliser sur but lui. He refused to focalize himself to him. Goliath était là. Goliath was there. Et David, and David, il a vu l'Éternel des armées. He saw the Eternal of army. Il a vu le Dieu d'Israël. He saw the Eternal of army. Alléluia. Bien-aimé, beloved, si peut-être en ce moment, if maybe in this tu moment, es entouré de difficultés, you are surrounded by difficulties, peut-être il y a un Goliath qui s'est levé dans ta maybe vie. There is a Goliath who stand in your life. Goliath, ça peut être un ennemi, ça peut être un homme qui te combat. Goliath can be an enemy, maybe a man that fights you. Ça peut être aussi une situation gigantesque, une situation difficile. It can be also a great or difficult situation. Bien-aimé, beloved, au lieu de te focaliser sur Goliath, instead to focalize yourself to Goliath, sache que Goliath n'est pas seul dans le champ de la bataille. I know that Goliath is not alone. Regarde l'Éternel des armées. Just look at the Eternal of army. L'Éternel Dieu des armées. Eternal God of army. Lui qui n'abandonne jamais. Him who never not abandon. Parce que David. Because David a tourné le regard. Turned himself. Il a vu l'Éternel Dieu des armées. He saw the Eternal of army. La conséquence. And the consequence. Goliath est tombé. Goliath fall. Goliath est tombé. Goliath fall. Bien-aimé. Beloved. Si tu veux faire tomber ton Goliath. If you want to make your Goliath to fall. Regarde l'Éternel Dieu des armées. Just look at the Eternal God of army. Parce qu'il est là, bien-aimé. Because he's there, my beloved. Il est là. He's there, my beloved. Si tu ne le vois pas, if you are not seeing him, c'est parce que tu te focalises it's trop sur Goliath. Because you look at Goliath. C'est parce que tu te focalises it's trop sur la taille de Goliath. Yourself to Goliath. L'Éternel Dieu des armées. The Eternal God of army. Il était là. He was there. Voyons, bien-aimé. We may see, my toute beloved. L'assemblée d'Israël était là. All the assembly of Israel mais was there. Ils n'ont pas vu Dieu. But no one saw God. Ils n'ont vu que Goliath. They always see Goliath. Alors que Dieu était là. As God were there. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu. It's not because you are not seeing God. Il n'est pas là. That is not there. Il est là avec toi. He is there with you. Oh, que le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un. May the Lord open the eyes of someone. Que le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un. May the Lord open the eyes of someone. Pour qu'il voie Dieu. For him to see God. Devant son Goliath. Before his Goliath. Il voit Dieu. He may see God. Il voit la grandeur he de may Dieu. See the greatness of God. Il voit la puissance he de Dieu. He may see the mighty power of God. Parce que Dieu est là. Because God is il there. Il est là, bien-aimé. He is there, my il est présent avec he is present toi. With you. Il est là prêt à te défendre. He is there ready to defend you. Tourne le regard vers lui. Just turn your eyes on him. Tourne le regard vers lui. Turn your eyes on him. Parce qu'il est là avec toi. Because he's there with you. Hallelujah. Amen. Le serviteur d'Élisée. The servant of Elijah. Je crois que nous connaissons tous l'histoire aussi. I think that all of us here know the story. À un certain moment, a certain moment, Élisée était entouré par les Syriens. Elijah was surrounded by ils Syrians. Ils sont venus avec des chars. They came with chariots. Et le serviteur d'Élisée, and the servant of Elijah, quand il a vu when he saw them, qu'ils étaient entourés, that they were surrounded, il a poussé le cri. He started scream parce qu'il a eu peur. Because he got fear. Il a dit, maître, qu'allons-nous faire? He said, master, what shall we do? Élisée qui avait la vision, la révélation. Elijah who got the vision and revelation. Il a dit, ceux qui sont avec nous. He said, those who are together with us. Ils sont plus nombreux. They are more than ceux qui sont avec those eux. Who is with them. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est entouré des ennemis en there ce moment? There is someone who are getting surrounded by enemy here. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est entouré d'adversité en there ce moment? There is someone who got adversity here. Bien-aimé, il y a des moments comme ça. Beloved, there is some moment like that. Où tu te sens entouré de difficultés. Maybe you are surrounded by so many difficulties. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? And then you give question to yourself. Tu what dis, happened? Mais rien ne va. There is nothing that works. Rien ne marche. There is nothing that works. Autour de toi, bien-aimé. Near you, il y a que des problèmes. There is only problem. Il y a tu es entouré de Syriens. You are surrounded by Syrians. Oh bien-aimé. Beloved. Si c'est le cas pour quelqu'un en ce matin. If it is the case of someone this morning. Laisse-moi te dire la bonne nouvelle. Let me tell you the good news. Ceux qui sont avec toi. Those who are together with you. Ils sont plus nombreux.
They are more que ceux qui sont avec eux. Fight against you. Tu n'es pas seul, bien-aimé. You are no more alone, my dear. Tu n'es pas seul. You are no more alone. Celui en qui tu as cru, the one you believe, il ne peut jamais t'abandonner. He will never not forsake you. Il ne peut jamais t'abandonner. He will never not abandon you. Il est là avec he toi. Is there with you. Il est là avec he toi. Is there with you. Oh, que tes yeux s'ouvrent encore, bien-aimé. Let your eyes to be open, my beloved. Que tes yeux s'ouvrent encore, bien-aimé. Let your eyes to be open, my beloved. Au milieu de l'adversité. At the midst of adversity. Alors que tu es entouré des Syriens. While you are surrounded by Syrians. Alors que Goliath est là devant toi. While Goliath is before you. Que tes yeux s'ouvrent, bien-aimé. Let your eyes open, my beloved. Et que tu vois la présence de and you may see the presence of God. Et que tu vois la grandeur de and you ton may see Dieu. The greatness of your God. Afin que tu sortes de cette situation. So that you may go out of this situation. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Les disciples se sont écriés, bien-aimés. The disciples was cried. They scream out. Ils ont dit, Seigneur. They say, Lord. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Are you not worried? Ne t'inquiètes-tu for we that pas, perish? Seigneur? Lord, are you worried not? De ce que nous périssons. For we that perish. Bien-aimé. Lord, lorsque nous passons par des moments difficiles. When we are passing through difficult moments. Nous faisons plusieurs formes de prières. We make so many forms. Comment of, les disciples bien-aimés? How can disciples, my beloved? Pouvaient-ils demander à Jésus-Christ? Can ask to Jesus Christ. De s'inquiéter. That how could you worry? Lui qui est Dieu. Him who is God. Mais si ton Dieu commence à s'inquiéter. But if you are God, start getting concerned. Ça veut dire que c'est fini pour toi. It means you are finished. Parce qu'il ne s'inquiète que. Because can just get concerned. C'est lui qui n'a pas le contrôle de la situation. The person who doesn't have control of situation. C'est lorsque tu sens que c'est plus grand que toi. It's when you feel that the situation is more great than ça you. Ça échappe à ton contrôle. This escape from your control. C'est alors que tu peux arriver à trembler. At that moment you can tremble. Mais comment Dieu peut-il trembler? But how can God fear? Comment lui peut-il trembler? How can him can tremble? Alors qu'il contrôle tout. While he controls everything. Il a le monde entier dans sa main. He get the whole world in his hand. La tempête là, ce n'est rien à ses yeux. The storm is nothing for his la eyes. La preuve en est. The proof is. Alors que les disciples étaient en train de trembler. While disciples was trembling. Il dormait. He was sleeping. Il dormait. He was sleeping. Calmement. Quietly. On a dit même sur l'oreiller. They say. Was a, il, was on pillow. Il a mis sa tête sur le coussin. He put his head on the pillow. Hallelujah. Amen. Bien-aimé. Beloved. Lorsque nous passons par les difficultés. When we pass through difficulties. Parfois, il nous arrive de faire des prières qui ne sont pas bonnes. Sometimes we are making wrong prayers. Oh Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh Lord, why you abandon me? Est-ce que Dieu peut t'abandonner, bien-aimé? Can Lord abandon you, my beloved? Est-ce que Dieu peut te délaisser, bien-aimé? Is it possible to God to forsake you? Rappelons-nous bien-aimés, lorsque ça ne va pas. You may remember my beloved. Quel when genre things de prière, are not going well. Quel genre de prière formulons-nous? Which kind of prayer? Oh Dieu, où es-tu? We shall make. Oh God, where are you? Alors qu'il a dit, je ne te délaisserai point. Why je ne t'abandonnerai he said, point. I will never not abandon you. Tu pries, tu dis, Seigneur, où es-tu? You pray and you say, Lord, where are you? Seigneur, où es-tu? Lord, where are you? Non, bien-aimé. No, beloved. C'est erroné cette manière-là this de prier. This is wrong prayers. C'est erroné cette manière-là de it's prier. It's wrong prayers. Parfois, on aimerait sometimes voir le Seigneur to see the Lord être tourmenté aussi comme nous. Shall be tormented like us. Mais si Dieu commence à être tourmenté, but if God starts to get tormented, auprès de qui tu vas te tourner, bien-aimé? In whom you may go now? Parce que si Dieu commence à être tourmenté, because if God starts to get tormented, ça veut dire qu'il ne contrôle plus la situation. He's no more controlling situation. Oh, bien-aimé. Beloved. Veillons. Veillons sur nos paroles. We may take care of our words. Lorsque tout ne va pas. When things are not going well. Ou lorsqu'une situation ne marche pas comme nous le voulons. Or maybe a situation couldn't work as we want. Faisons attention, bien-aimés. We may pay attention, my beloved. À nos prières. To our prayers. À nos prières. To our prayers. Même si. Even. Tu ne sens pas. You don't feel. Par ta façon que tu aimes sentir le Seigneur. By your own manner that you love to feel the Lord. Tu ne sens pas sa présence comme on aime le dire. You are not feeling his presence as we always say it. Le silence de Dieu n'est pas son absence. The silence of God don't mean his absence. Le silence de Dieu n'est pas son absence. The silence of God don't mean his absence. Faisons confiance en la parole de Dieu, bien-aimé. We may trust the word of God, my beloved. Il a promis. He promised. Il a promis. He promised. Est-ce qu'il y a quelqu'un there is someone qui est en train d'entretenir l'amertume dans son cœur en ce moment? Who are here getting bitter
bitterness in his heart. Peut-être qu'il sent que Dieu l'a abandonné. Maybe he feel that God abandoned him. Il sent comme si Dieu est indifférent à sa situation. He feel that God has not looked at his situation. Et cela te rend amer. And this make you to get bitter. Tu dis Seigneur, ça fait longtemps. You say Lord, it's a long time ago. Que je prie pour cette maladie. That I'm praying for this sickness. Pourquoi ça ne me quitte toujours pas? Why this sickness cannot go run away from my body? Et tu entretiens l'amertume dans ton cœur. And then you still controlling bitterness in your heart. Bien aimé, ce n'est pas bon. Beloved, it's not good. Parce que Dieu t'a déjà donné la clé. Because God already gave you the key. Tu as déjà la guérison. You get the healing with you. C'est toi-même, bien aimé. You are the one, my beloved. Qui ne prend pas la clé pour l'utiliser. Who are not taking the key to use it? Tu condamnes Dieu à la place. You condemn God to the place. Seigneur, God, ça fait longtemps que je prie. It's so long time that I pray. Mais pourquoi le mari traîne? But why the husband could not come? Mais comment tu pries, bien-aimé? How could you pray, my beloved? Comment tu pries, bien-aimé? How did you pray, my beloved? Cherche la parole de Dieu. Just seek at the word of God. Concernant ta situation. That concern your situation. Et déclare. And declare. Déclare la parole de declare Dieu. Declare the word of God. Déclare la parole declare de Dieu. Declare the word of God. Au lieu de murmurer, bien-aimé. Instead to murmuring. Au lieu d'entretenir l'amertume dans le cœur, bien-aimé. Au lieu de condamner Dieu, bien-aimé. Cherche la parole de please Dieu. Seek at the word of God. Parce qu'il y en a, bien-aimé. Because there is a word il y a for your une parole pour ta situation. There is one word for your situation. Cherche la parole de just Dieu. Seek at the word of God. Et déclare-la. And declare it. Déclare la parole de Dieu. And declare the word of God. Déclare la parole de Dieu dans ta vie. Declare the word of God in your life. Sur cette situation. On that situation. Jusqu'à ce que until tu vas voir la matérialisation. You will get the materialization. La matérialisation de la guérison. The materialization of your healing. Hallelujah. Amen. Parce que Dieu il a déjà tout fait. Because God has done everything. La Bible dit. The Bible says. Jésus-Christ a tout accompli à la Jesus croix. Jesus Christ have accomplished everything on the cross. Il a tout accompli. He accomplished everything. Bien aimé, tout ce que nous recherchons, everything that we look at, c'est beloved, déjà en nous. It's on us. Jésus-Christ a déjà fait. Jesus Christ did it already. C'est juste parce que parfois nous sommes ignorants. It's just because we are ignorant. Nous ignorons nos droits. We ignore our right. Hallelujah. Amen. Nous sommes enfants de Dieu bien-aimés. We are the children of God, my nous beloved. Avons reçu Jésus comme Seigneur et we Sauveur. Receive Jesus Christ like Lord and Savior. Mais nous ne lisons pas la parole de Dieu. But we are not reading the word of God. C'est pourquoi nous sommes faibles bien-aimés. That's why we are always weak. Parce que devant une situation difficile. Because before a difficult situation. Tu ne connais pas la parole de Dieu. You don't know the word of God. Et puis tu commences à te tourmenter. And then you start torment your life. Nous devons méditer la parole de Dieu bien-aimés. We must meditate the word of God, my nous beloved. Devons aimer la parole de we Dieu. We shall love the word of God, my beloved. Un enfant qui, de Dieu qui connaît la parole de Dieu. A child of God who knew the word of God. Il est comme un soldat bien armé. He's like a soldier who got good weapons. Il est comme un soldat bien armé. He looks like a soldier who got good weapons. La Bible dit. The Bible says. Dans Josué 1:8. In the book of Joshua 1:8. Que ce livre de la loi. May this book of law. Ne s'éloigne point de ta bouche. Should not go far from your mouth. Hallelujah. Amen. Ne s'éloigne point de quoi? Should not move far from your mouth. De ta bouche. Ça veut dire bien aimé. It means, my beloved. Quoi qu'il arrive. How matter is the situation? Déclare la parole de Dieu. Just declare the word of God. C'est ça notre travail bien aimé. This is our work, my beloved. Déclare la parole de Dieu. Declare the word of God. Que le livre de la loi. May the book of law. Ne s'éloigne point de ta bouche. Should not move far from your mouth. Qu'il pleuve, qu'il neige. Whether it's rain or snow. Tu déclares la parole de Dieu. You may declare the word of God. Conformément à ta situation. Conformly to your situation. Jusqu'à ce que tu envoies. Until. L'accomplissement. You get the accomplishment of it. Jusqu'à ce que tu vois until la manifestation you may see the manifestation de la gloire de Dieu. Of the glory of God. Hallelujah. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous avons parlé de la barque. Beloved, we will speak about the boat. Tout à l'heure, nous avons dit que la barque peut représenter notre vie. We were saying that bark can represent our life. Ici, les disciples. Here, disciples. Ils n'avaient pas raison de craindre. They didn't have any reason to scare. Parce que Jésus-Christ était là. Because Jesus Christ was together with them. Il était présent. He was present. Mais je ne sais pas bien aimé. But I don't know my beloved. Peut-être que vous êtes là ce matin. Maybe you are here this morning. Mais Jésus-Christ n'est pas dans votre barque. But Jesus Christ is not on your boat. Si c'est le cas bien aimé. If it's your case my beloved. Ce que je vous dis ici, what ce I'm ne telling vous concerne to you pas. Doesn't concern you.
Ça ne vous concerne pas. It's not concerning you. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, if you have not yet received Jesus Christ as Lord and Savior, l'occasion vous est donnée ce matin, bien-aimé. Occasion this morning. Invitez-le dans votre barque. Invite him to your boat. Invitez-le dans votre barque. Invite him in your boat. Parce que loin de Dieu, il n'y a pas la vie. Because far from God, there is no life. En dehors de Dieu, bien-aimé. Out from God, my beloved. Il n'y a pas la vraie sécurité. There is no real security. Il n'y a pas la vraie sécurité. Il n'y a pas le vrai bonheur. There is no good happiness. Bien-aimé, si Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, beloved, if Jesus Christ is no more in your life, tu es exposé à tout danger. You are exposed of all danger. À toutes sortes, à toutes formes de danger. Of all kind and all form of danger. Tu es exposé, bien-aimé. You are exposed, my beloved. Jésus-Christ disait, il dit dans sa parole, voici, je me tiens à la porte. Behold, I stand on the door. Et je frappe. And then I knock. Si quelqu'un entend ma voix, if someone listens my voice, il ouvre la porte, and open the door, j'entrerai chez lui. I will go into, je souperai his avec house, lui. I will eat with him. Alléluia. Amen. Le Seigneur est là ce matin. The Lord is here this morning. Devant la porte de la vie de quelqu'un. Before the door of life of someone. Quelqu'un qui ne l'a pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur. Someone who has not yet received him like Lord and Savior. Il est là en train de frapper. He is here now knocking at your door. Bien-aimé, si vous écoutez la voix de Dieu, beloved, if you hear the voice of God, n'endurcissez pas votre cœur. Please don't harden your heart. Peut-être que vous fréquentez l'église. Maybe you are always in the church. Vous allez de temps en temps à l'église. You came time to time to the church. Mais vous n'avez jamais, bien-aimé, but you are never, you are not yet, donnez votre vie au Seigneur. Give your life to the Lord. Aujourd'hui c'est votre jour, bien-aimé. Today is your day. Aujourd'hui c'est votre jour. Today is your day. Peut-être que maintenant là, maybe now, vous sentez que tout va bien. You feel that things are going well. Vous sentez que vraiment tout est meilleur you pour vous. You feel that everything are going well with you. Mais la tempête, bien-aimé, but the storm, quand elle frappe, elle ne prévient pas. When she will start, she will not prevent you. Elle ne prévient pas, bien-aimé. She will not signal you. Vous avez besoin de Jésus-Christ dans votre you vie. You need Jesus Christ in your life. Vous avez besoin de lui, bien-aimé. You need him. Afin qu'il puisse vous guider. So that he should guard you. Afin qu'il puisse vous protéger. So that he should lead you and protect you. On a aussi dit la barque, bien-aimée. So we will say that the boat, elle peut représenter un domaine de notre vie. Can represent a domain in our life. Ça peut aussi être un projet. It can be also a project. Ça peut être, bien-aimée, une entreprise. It can be also a society. Peut-être que tu t'es embarqué dans quelque chose. Maybe you are putting yourself in something. Mais tu es allé toi seul. And then you went there alone. Hallelujah. Amen. Peut-être que tu t'es engagé. Maybe you engage. Sans demander la volonté de Dieu. Without asking the willing of God. Hallelujah. Amen. Tu as pris une décision. You took a decision. Sans demander. Without. Sans chercher à connaître la volonté de Dieu. Asking without look at the willing of God. Ou peut-être tu as fait un choix. Or maybe you have made a choice. Et aujourd'hui, and today, tu sens que la tempête est en train de you souffler. Feel that storm are blowing in your life. Bien-aimé, si c'est le cas, beloved, if it's your case, ce que tu as à faire, what you have to do, c'est de chercher la réparation. You may seek the reparation. C'est de te repentir. Is to repent. Hallelujah. Amen. S'il y a moyen de sortir de cette histoire, bien-aimé, if there is a way to go out of that story, fais-le. Make it. Parce que si Christ n'est pas dans cette histoire là, because if Christ are no more in that story, ça ne va pas marcher. This cannot work. Il a dit sans moi vous ne pouvez rien faire. He said without me you can't do anything. Bien aimé, parfois nous sommes victimes de troubles. Sometimes we are victim of trouble. Mais c'est à cause de nous-mêmes. Just because of ourselves. Et puis on se met à crier. And we start screaming. Oh Seigneur, pourquoi? We're crying, Lord, why? Peut-être que tu es déçu. Maybe sometimes you are deceived. Déçu par un fiancé, un ami. Deceived me by a friend or fiancé. Et puis tu te mets à reprocher le Seigneur. And then you start to rebuke the Lord. Oh pourquoi, Seigneur, pourquoi? Oh why the Lord? Why Lord? As-tu demandé la volonté de Dieu? Did you ask him the willing of God? Avant d'entrer dans cette barque. Before you enter in that boat. Bien-aimé. Beloved. Si en ce moment. If in this moment. Tu te rends compte. You feel that. Que tu es dans une barque. You are among. Tu es dans une histoire. A boat. You are among a soul and you are alone. Jésus-Christ n'est pas avec toi. Jesus Christ is no more. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. To a child of God this morning. Tu as pris une décision, bien-aimé. You took a decision. Tu es entré dans une affaire, bien-aimé. To a business. Tu fais quelque chose, bien-aimé. You're making something. Le Saint-Esprit de Dieu est en toi. The Holy Spirit is in you. Et tu sens que ça ne marche pas. And you feel that things are not working. Mais tu réalises ce matin. But you realize this morning. Que lorsque tu as commencé. That when you start. Tu n'avais pas associé le Seigneur. You couldn't associate the Lord. Bien-aimé. Beloved. En toute humilité.
Just by humility. Répare bien-aimé. Repair. Répare. Repair. Répare bien-aimé. Repair, my beloved. Au lieu de reprocher au Seigneur. Instead to rebuke the Lord. Au lieu de condamner. Instead to condemn. Repens-toi bien-aimé. Repent yourself, my beloved. Repens-toi bien-aimé. Repent yourself, my beloved. Il est le Dieu de grâce. He is the God of grace. Il est le Dieu de grâce. He is the God of grace. Repens-toi bien-aimé. Repent yourself. Hallelujah. Amen. Amen, amen. Amen. Ici nous voyons, nous avons encore vu, bien-aimé. Here we saw also my beloved. Jésus-Christ a reproché aux disciples. Jesus Christ rebuked his disciples. Il leur a dit, mais pourquoi n'avez-vous pas de foi? He said, why you don't get any faith? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Why you don't get any faith? Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Jesus Christ, what he did? Il a juste donné l'ordre. He just give order. Il a intimé l'ordre au vent. He just give order to the wind. Et le vent a obéi, il s'est arrêté. And the wind obey and stop. En nous, bien-aimés. In us, my beloved. Il y a cette autorité là. We have that authority. L'autorité que Jésus-Christ a utilisé. Authority that Jesus Christ used. Pour faire taire le vent. To make the wind to cease. Il y en a dans chaque chrétien. Each Christian have it. Hallelujah. Amen. Bien-aimé, il y a des situations pour lesquelles beloved, there is a situation nous crions au Seigneur. That we are screaming to the Lord. Oh Seigneur. Wow Lord. Secours-moi. Please help me. Alors que tout ce que lui il attend de toi. While everything that is waiting for you. C'est que tu te saisisses de ton autorité. It's just for you to get your authority. Que tu prennes les choses en main. You may take things in your hands. Parce qu'il t'a donné le pouvoir. Because he gives you the power. Il t'a donné l'autorité. He gives you the authority. Hallelujah. Amen. Amen. Je vais donner un exemple, bien-aimé. I'll give you one example, my beloved. Si par exemple l'enfant bénit grâce. If just an example, bénit grâce, our child. Il voit par exemple un moustique en train de le piquer. He just see a mosquito that bite him. Et puis à son âge là. That on his age. Il appelle son papa. And then he call his father. Papa. Daddy. Regarde le moustique. Daddy see the mosquito that bite him. En pleurant. By crying. Est-ce que un père qui veut voir son enfant évoluer? Did a father who want to see his child growing up? Il viendra tuer le moustique. He will come and kill the mosquito. Il viendra tuer le moustique. He will come and qu'est-ce kill the mosquito. Qu'est-ce qu'il va faire? What he will did? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va what dire à son enfant, mais tue-le. He will say to his child, tue-le, parce kill qu'il the sait mosquito. Que son enfant a la capacité. Because he know that his child get the capacity to kill the mosquito. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu. Children of God. Prenons les choses en main. We may take things in our hands. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Jesus Christ give us power. Il nous a donné le pouvoir. He give us power. De marcher sur les scorpions. To walk upon the scorpions. Sur les serpents. To walk upon the serpents. Et il a dit rien ne pourra nous nuire. And he said nothing will harm us. Hallelujah. Amen. Il y a des situations bien-aimées. There is a situation, my pour lesquelles on n'a pas besoin. From whom we don't need. Il dit au Seigneur. To say Lord, Seigneur, Lord, situation. Look at this situation. Non, bien-aimé. No, my beloved. Lève-toi. Stand. Parle à la situation. And speak to the situation. Si c'est la maladie. If it's a sickness. Dis maladie. Just say sickness. Tu t'es trompé d'adresse. You make mistake. Jésus-Christ m'a déjà guéri il y a 2000 ans. Jesus Christ already healed me 2000 years ago in the cross. Tu n'as pas ta place dans ma vie. You don't get place in my life. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Prends tes bagages. Take your luggages. Quitte. And move. Prends tes bagages. Take your luggages. Quitte. And move. Hallelujah. Amen. Si des choses ne marchent pas dans ta if maison. Things are not working well in your house. Jésus Christ a donné le pouvoir. Jesus bien-aimé. Christ have given you the power, my beloved. Hallelujah. Amen. Amen. Nous devons grandir bien-aimé. We may grow, my beloved. Nous devons grandir bien-aimé. We may grow up, my beloved. Hallelujah. Amen. Utilisons le pouvoir que Dieu nous we a donné. We shall use the power that God give us. Nous avons la capacité, we bien-aimé. We have capacity, my beloved. Nous avons la capacité, we got bien-aimé. The capacity, my beloved. Parce que ce que notre Seigneur a fait. Because what our Lord did. Il nous a aussi donné le pouvoir de le faire. He gave us also the power to do it. Hallelujah. Amen. S'il a fait taire le vent. If he sees the wind, les disciples pouvaient aussi le faire. Disciples also can make it. Bien-aimé, tu as le pouvoir. Beloved, you have the power. De faire taire. To make la tempête. To make cease the storm. Qui est en train de ravager dans ta vie. That destroy your life. Tu as le pouvoir, bien-aimé. You have the power, my beloved. Tu as le pouvoir, you bien-aimé. You have the power, my beloved. Prends conscience. Take just conscience. Prends juste conscience, just bien-aimé. Just get conscience on it. Au lieu de trembler.
For you to cry devant les situations, before situations, ou au lieu de crier au Seigneur n'importe comment, to cry to the Lord anyhow. C'est pourquoi parfois nous ne voyons pas des réponses. That's why sometimes we should not see Parce answers. Que toi tu attends que Dieu puisse travailler à ta place. Because you want God to work on your place. Alors que lui il sait. Why he already knows. Qu'il t'a déjà donné le pouvoir. That he give you all the power. Il t'a déjà donné la clé. He give you the key. Le Seigneur est en train d'attendre. The Lord now are waiting. Que tu te lèves. That you should stand. Que tu te lèves bien aimé. That you may stand, my beloved. Que tu parles à ta situation. And you may speak to your situation. Parce qu'elle a les oreilles. Because your situation got ears. La situation a des oreilles. Situation got ears. Il nous arrive souvent, bien aimé. Sometimes. De demander à Dieu. It's happened. Ce que nous avons in our déjà. Life to asking to God what we have already. La Bible dit dans Ephésiens. The Bible said in the book of Ephesians. Que Jésus, Dieu nous a bénis. That God already bless us. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Kind of blessings. En Jésus Christ. In Jesus Christ. En Jésus Christ. In Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Mais si Dieu nous a déjà bénis. But if God already bless us. De toutes sortes de bénédictions. All kind of blessings. Pourquoi allons encore demander? Why should we go and ask again? Seigneur, donne-moi. Lord, give me. Seigneur, donne-moi le pain. Lord, give me bread. Donne-moi le pain. Give me bread. Alors que nous devons seulement dire. While we have to just tu es mon père. You are my father. Tu pourvois mes besoins. You provide all my needs. Merci Seigneur de pourvoir. Thank you Lord to provide. De pourvoir à mes besoins. To provide all my needs. Alléluia. Amen. Il y a des choses devant lesquelles. There is a thing before nous what? Nous avons juste besoin de déclarer la parole. We just need to declare. Et il y a des choses devant lesquelles. There is a thing. Nous avons besoin de prendre l'autorité. That we need to take authority. Lorsqu'il s'agit des scorpions. When we talk about scorpions. Des situations qui sont là pour nous nuire. It means situation that disturb us. Nous avons le pouvoir, bien-aimé. We have power, my beloved. D'ordonner. To ordain. D'ordonner. To command. Hallelujah. Amen. Nous avons le pouvoir d'ordonner le silence. We have the power. To command silence. Parce qu'en nous, because in il y a le lion de la tribu de Juda. Live the lion of the tribe. Il y a celui qui a vaincu le monde. The one who overcome the world. Il est en nous, bien he aimé. Live in us, my beloved. Bien aimé, nous n'avons pas reçu le Seigneur Jésus Christ pour échouer avec beloved, lui. Beloved, we didn't receive the Lord Jesus Christ to fail with him. Nous n'avons pas reçu le Seigneur Jésus. We didn't receive the Lord Jesus Christ pour couler avec lui. To sink down with him. Non, no, aimé. My beloved. Jésus Christ est venu dans notre Jesus Christ came in our life pour nous amener à la gloire. To take us to the glory. La Bible dit Christ en nous l'espérance de la gloire. The Bible says Christ in us the hope of the glory. Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ is in us the hope of glory. Enfant de Dieu, il est temps pour nous. Children of God, there is a time for de nous saisir de notre autorité. To seize our own authority. D'arrêter de pleurnicher. To stop crying. Devant les situations. Before situations. Mais d'utiliser l'autorité but que nous use avons. The authority that we have. Pour donner, pour commander. To give and command. Commander, donner l'ordre. To command and give order. Afin qu'il y ait le changement. So that we should get changes. Afin qu'il y ait le changement. So that we may get changes. Le vent a obéi, bien aimé. Wind obeyed to Jesus. Il n'a même pas discuté. He even not say some things. Il a directement obéi. He just directly obeyed. Il s'est arrêté. And then he stopped. Bien aimé, il y a des situations. Beloved, there is a situations qui traînent comme ça dans ta vie. Who can just walk slowly in your life. Même elles-mêmes sont en train de s'étonner. Even the situation get surprised. Voyons le pouvoir qui est en toi. Look at the power who live in you. Parce que même les situations savent que toi tu es puissant. Because even situations know that you are so mais powerful. Mais il s'étonne, bien aimé. But he got surprised, my beloved. De voir au lieu d'utiliser ton pouvoir. To see that for you instead to use your power. Tu passes ton temps à trembler. You just waste your time to tremble. Tu passes ton temps à pleurnicher. You just lose your time. By to cry. Non, enfants de Dieu. No, children of God. Nous ne sommes plus des enfants bien-aimés. We are no more children. Même spirituellement, nous avons grandi, bien-aimés. Spiritually, we grow. Grandissons, bien-aimés. We may grow, my beloved. Utilisons le pouvoir que nous we avons. May use the power that we got. Jésus-Christ a dit. Jesus Christ said. Passons à l'autre bord. We shall turn to other side. Passons à l'autre bord. Turn to other side. Bien-aimés, cette situation. Beloved, that situation. Ce n'est pas là pour te détruire. It's not here to destroy you. Non, bien-aimés. No, my beloved. Tu dois aller. You must go. Sur l'autre bord. To other side. Tu dois passer, bien-aimé. You must pass on to the other tu side. Tu dois aller là où Dieu t'attend, bien-aimé. You must go where God are waiting you. Cette barrière là. That barrier. Ne peut
pas t'empêcher. Will not stop you. Parfois on pose la question, Seigneur. Sometimes we give question to the Lord. Mais Seigneur, tu m'as donné le mariage. But Lord, you give me marriage. Mais pourquoi il y a tant de difficultés? But why there is so many difficulties? Mais parce qu'il sait que tu as le pouvoir. Because he know that you got power. Alléluia. Amen. Il sait qu'en te donnant le mariage, he know that by giving marriage to you, la clé, bien-aimé, they give you also the key. Devant les situations. Before situations. Dieu attend que tu l'utilises. God is just waiting for you to tu use your key. La clé, bien-aimé. You use your key. Alléluia. Pour résoudre la situation. To resolve all situations. Il y a des choses qui frappent dans nos familles, bien-aimés. There is things that happen in our family. Il y a des tempêtes qui ravagent dans nos familles, bien-aimés. There is storms that destroy our family. Et puis nous, enfants de Dieu, on est là. And we, children of God, on est là de bras croisés, on ne fait rien. We are just there, look at it. Alléluia. Amen. Dieu nous a placés comme des sentinelles dans notre famille. Put us there in our family. Il nous like a placés comme des sentinelles dans he nos maisons, bien-aimés. Like même pour ce qui se passe dans nos familles. Even for what that happened in our family. Je parle de la famille restreinte et élargie. I was talking about the little and biggest family. Nous avons le pouvoir, bien-aimés. We have power, my beloved. Nous avons le pouvoir, bien-aimés. We have power, my beloved. De nous lever, de donner l'ordre. To stand and give order. Peut-être qu'il y a un sorcier dans ta famille, bien-aimé. Maybe there's a witchcraft in your family, qui est en train de frapper les gens. Who are there destroying, killing people? Et puis toi, tu es enfant de Dieu. And then you are children of God. Peut-être que tu t'es dit, bon, moi, je suis à l'abri. You said, I'm just putting aside. Non, bien-aimé, ça no, ne suffit pas. No, my beloved, it's not enough. L'autorité que Dieu nous a donnée. The authority that God gives us. Ce n'est pas seulement pour nous-mêmes. It's not just for us. C'est aussi pour que les autres en bénéficient. It's just for others to benefit from it. Tu also. As le pouvoir, bien-aimé. You have the power, my beloved. De t'élever dans ta famille. To stand in your family. De t'élever dans ta famille. To stand in your family. Comme Élie. Il a dit à partir Elisha, d'aujourd'hui, il ne va pas pleuvoir. Start from now, there is no more raining. Il était un homme comme nous. He was a man like us. D'ailleurs, il lui est arrivé de trembler devant Jézabel. Even in front of Jezebel. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons activer le pouvoir qui est en nous. Beloved, we may activate the power which nous, is in us. Nous avons le pouvoir de commander. We have the power to command. Nous avons le pouvoir de changer les situations. We have the power to change situations. Nous en avons la clé, bien aimé. We have the key, my beloved. Donner l'ordre. To give orders. Et que la tempête puisse s'arrêter. And for the storm to cease. Hallelujah. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Can we stand on Est-ce our qu'on feet? Peut se lever? Can we stand on our feet? Nous please? Allons parler à nos tempêtes. We may speak to our storm. Si ça ne te frappe pas directement, bien-aimé. If that storm couldn't touch you directly. Peut-être que ça frappe dans ta famille. Maybe that storm had touching your family. Peut-être que c'est dans la vie de ton frère, de ta sœur. Maybe it's in your it's the life of your brother and sister. C'est peut-être dans ton pays, bien-aimé. Maybe it's in your country, my beloved. Nous allons maintenant, bien-aimé, déclarer la parole de Dieu. We may declare the word of God now. Donnons l'ordre. Bien-aimé. Giving the order, my beloved. À cette situation, bien-aimé. To that situation. Qui a tant perduré dans ta maison. That stay long time in your house. Dans ta vie. In your life. Cette situation qui te dérange. That situation that disturbing you. Qui te fait peut-être pleurer. That make you crying sometimes. Maintenant, bien-aimé, toi-même tu vas prier. But now, my beloved, you may pray. Tu vas donner l'ordre. You may give command. Tu vas pas demander, tu vas donner you l'ordre. Not just asking, but you will give Comme command. Comme Jésus-Christ a dit, tais-toi. Had Jesus dans Christ said to the wind, cease. Prions le Seigneur, prions pray, le Seigneur. Pray now, pray. Prions le Seigneur. Pray the Lord, pray the Lord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit. He didn't say we'll sink down. Que tu sombrerais. He didn't say we'll fall. Allons sur l'autre bord. He just said we shall turn to other side. Allons sur l'autre bord. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. J'intime l'ordre. I give the order. À toutes sortes de tempêtes. For all kind of storm. À toutes formes de tempêtes. For all form of storm. Qui est en train de frapper. That disturbing. Dans la vie des enfants de Dieu. In the life of the children of God. Dans nos santé. In our healing. Au nom de Jésus, silence. In the name of Jesus, stop. Au nom de Jésus, silence. In the name of Jesus, cease. J'intime l'ordre à la maladie. I give the order to silence the sickness. Au nom de Jésus Christ. Stop in the name of Jesus Christ. L'ordre à la pauvreté. I give command to the poverty. Silence au nom de Jésus Christ. To stop in the name silence of Jesus. Silence au nom de Jésus Christ. Stop in the name of Jesus. Oh, j'intime l'ordre à toute forme de blocage. I give order to all kind of blocage. Silence au nom de Jésus Christ. To stop in the name of Jesus. Silence au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ, silence. In the name of Jesus. Oh, I
chômage. I command jobless. Silence au nom de Jésus Christ. Stop in the name of Jesus. J'assume l'ordre à la stérilité. I give command to the barrenness. Silence au nom de Jésus Christ. Stop in the name of Jesus. Oh, j'assume l'ordre au célibat prolongé. I give the order. Silence to the au nom de Jésus Christ. Stop. Oh, je t'aime l'ordre à toutes sortes de vents. I give command to all kind of wind. Whatever you come from. Whatever you come from. Au nom de Jésus Christ, silence. In the name of Jesus Christ, I command you to keep silence. Au nom de Jésus Christ, I command you to keep silent in the name of Jesus. Silence au nom de Jésus. Silence in the name of Jesus. Silence au nom de Jésus. Silence in the name of Jesus. Silence au nom de Jésus. I command you silence in the name of Jesus. Silence au nom de Jésus. Keep silent in the name of Jesus. Silence silence dans le nom de Jésus. We command you to keep silent. Silence dans le nom de Jésus. Name of Jesus. Silence dans le nom de Jésus. To keep silent in the mighty name of Jesus. Keep silent in the life of children of God. Keep silent in our midst. À toute forme de trouble. I give you command. I command all kind of trouble to keep silent. Silence. All kind of trouble to keep silent. Silence. Silence. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. Amen. Shika baba robo sanda baba robo koshina. E mama sheda baba baba baba. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Glory to God. Era ustaba shobo bobo roba stebo shinda. Ora baba. Bien-aimé. Beloved. Maintenant, nous allons déclarer encore la parole de Dieu. Now we may declare once again the word of God. Par rapport à ta situation, according to your own situation, déclare la parole de foi. Declare the word of faith. Dis, le Seigneur Jésus m'a dit. Say that the Lord Jesus Christ said unto me. De passer à l'autre bord. That I should turn to other side. Dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Say that I will not perish, si I will live. Si tu sens que c'est la mort qui est en train de frapper à ta porte. If you feel that it's a die, je ne mourrai pas, je vivrai. Just declare it. Je témoignerai les œuvres de l'Éternel. And I will testify. Si c'est la maladie, bien-aimé. If it's sicknesses, la résistance, la guérison que Christ t'a donnée il y a 2000 ans. Declare your healing that Jesus can give you that is 2000 years ago. Maintenant, bien-aimé. Et déclare la parole de foi. Beloved, declare the word au nom de Jésus-Christ, le mariage est à moi. Marriage is for au nom de Jésus-Christ, la guérison est ma portion. The healing is my je veux portion. Entendre quelqu'un déclarer bien. I want to hear someone declare. La richesse est ma portion. The wealth is my portion. Les enfants sont ma portion. Children is my portion. Le mariage est ma portion. Marriage is my portion. La prospérité est ma portion. Prosperity is my portion. Le succès est ma portion. Success is my portion. La réussite est ma portion. Success is my déclare, portion. Déclare bien-aimé. Declare it now, my oui, beloved. Oui, bien-aimé, qu'il te soit fait selon ta foi. It should be given to you according to your faith. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oui. Life and death. Alléluia. La prospérité est ma portion. Prosperity is my portion. L'excellence est ma portion. The excellence is le my portion. Le succès est ma portion. The success is my portion. La victoire est ma portion. The victory is my portion. Oh, ma chère in the name of Jesus. Declare it. Declare it. Declare it and it will become true in your life. Declare it in the mighty name of Jesus. La santé, Seigneur, est ma passion. Health is my portion. La gloire est ma passion. Glory is my portion in the mighty name of Jesus. Glory is my portion. Success is my portion. Healing is my portion. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Life and death is the power, of your tongue. So open your mouth and declare. La réussite de mes enfants est ma portion.
passion. The success of my children is my passion. Le succès de ma famille est ma the passion. The success of my family is my passion. In the mighty name of Jesus. Declare it, brethren. Declare it. Il n'a pas dit. He didn't say. Que tu coulerais. That you will sink down. Il n'a pas dit. He didn't say. Que tu sombrerais. That you will fall. Il a dit. But he said. Allons. We should talk.